Allez, salut à tous les amis, c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se re-retrouve sur l'autre War in the North. Je continue la session quelques heures après avoir arrêté, hein, puisque je vous rappelle que dans l'épisode précédent, normalement si vous l'avez regardé, le jeu en fait avait bugué, ce qui fait que je ne pouvais plus accéder au secret et que je ne pouvais plus faire de coups critiques, donc j'ai perdu un max d'XP. Heureusement, comme j'ai quitté et relancé, la sauvegarde n'a pas pris en compte que j'étais rentré à fond comble. Résultat, j'ai dû me retaper la fin et heureusement tout marchait, donc... Bon, je me suis juste fait un peu d'expérience, voilà. Donc, ce que j'ai fait là, c'est qu'avant qu'on reparte à la guerre, j'ai vendu du matos. On a 30 000 de thunes. Donc, on est paré pour la suite. On va aider nos amis nains à Nordinbad. Et ça va être la foire. Nous sommes bientôt à la fin. Allez, Nordinbad, c'est parti. Attention, ça va être une bataille moute épique, croyez-moi. On va passer niveau 20 en plus. Ça va être génial. La cinématique de fou au début en plus. Des nains. Les pauvres nains. Ah oui, c'est les nains hyper intelligents, je me souviens. Ah. Je crois que c'est nous. Ah bah voilà, tu vois. Bruni. Oh merde. Bruni est mort comme une merde. Oh, pauvre Bruni. Tu sais, y'a personne, c'est désert, ils sont tous les deux. Pourquoi t'ouvres pas la bouche quand tu parles? Et lui, il a perdu son stuff complètement. Ah non, c'est parce que c'est une cinématique. Normal. Votre place est parmi votre peuple. Allez. Oui. Bonne chance à tous. Repliez-vous dans les galeries supérieures. Oh, c'est beau. Donc, je vous rappelle qu'on a fait un pacte avec le dragon Urghost. Voilà, donc on va essayer de défoncer à Gandor pour lui filer la demeure, l'ancienne demeure de roi sorcier, il me semble. Qui regorge de richesses et autres et plein de trucs, hein. Voilà, et là vous pouvez voir que tac, les coups critiques sont à présent paf débloqués, enfin débuggés dirais-je plutôt. Ah, attendez, je peux utiliser ça. Ah ouais, ça marche bien. Lâchez tourelle. Hop, on va s'en servir pour finir les archers. Tire, vas-y. Tire, voilà. Ça va. Wouhou, ça évitera de gâcher des munitions. Wouah, ils aiment pas trop donc mes épées élémentaires. Enfin, mon épée. Parce que j'en ai qu'une seule élémentaire. Donc, foudre, elle fait des dégâts foudre et feu. Les deux combinés, bah, ça fait un mélange explosif. Eh, il est coriace, hein. Ah, c'est gentil ça. Ah bah tiens, succès champion du Nord. Faudrait que je regarde ce que c'est. Parce que, oui, donc je le redis encore une fois. Si vous regardez ça direct à la suite, moi ça fait quelques heures que j'ai pas tourné, donc je le redis. Je vais essayer de me faire tous les succès de ce jeu. Bon, évidemment pas tous en vidéo, mais le maximum en tout cas. Ensemble. Et je suis passé niveau 20. Ah bah c'est peut-être pour ça en fait que j'ai chopé un succès. Ah bah oui, ça doit être pour ça en fait. On regardera ce qu'on a juste après. Eh, il est coriace celui-là. Ouh, il a pas aimé. Et le finish. Non, mais putain, mais l'autre conne quoi. Qui s'est foutu devant. Putain, mais alors, idiote. On va se prendre la popo de soin. Putain, il... Et on va surtout rester dans dans la sphère de lumière. Ouh, il a pas aimé. J'ai également réparé mes armes à fond con, bien sûr, parce que le stuff suce plutôt. Wouah, il a pas aimé ton. Ouh, ça non plus, il a pas aimé. Allez, on finit. Tac, voilà. Comme ça, c'est fait.
200 d'XP. Nouvel objectif de quête, détruire tous les sièges. C'est quoi R? Tour de siège. Ah oui, tour de siège. Ah, ta. Ouh, le 600 d'XP. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, comme ça, ça va être qu'on se les tape. Non, on peut pas les détruire, les tours de siège. En plus, eux, ils sont complètement buggés. D'accord, ok. Allez, on se magne. Tac, on change de côté parce qu'on est des beaux gosses. J'aime ces phases, j'adore ces phases, j'adore. Tac. Non mais, bon, on est compte comment on les éclate. C'est du génocide là, ça. À ce niveau là, c'est... Paf. Oui, bah oui, prenez des arbalètes, bande de trous duc. T'as tout le stuff que je vais avoir à ramasser après, vous allez voir, c'est juste... Non, putain, c'est qui l'esquive, le mec? Bah oui, je vous demande de vous arrêter. Oh. Le mec, quoi. D'accord. Putain. Ouais, alors les gars. Putain, mais bouge ton gros cul. Ouh. Putain, c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai pas fait gaffe, mais comme les alliés sont trop cons. Allez. Allez, bouge. La popo, allez. Putain. On va prendre la... Le... Bien sûr. Mais putain, je peux pas bouger. Cassez-vous. Oh, c'est n'importe quoi. On va y... Et mon désespoir. Oh, c'est beau. Putain, alors lui... Attends, mais alors toi... Toi, je crois que... Et toi aussi, d'ailleurs. Toi, je crois que t'as... Putain, il me démonte. Mais... En plus, il s'est fait défoncer par son... propre... Ah bah voilà. Ils se font démonter... Ouf. Par leur propre... Putain. Oh là là, je peux pas. Putain, je me suis fait démonter. Allez. Je me suis fait démonter. Venez m'aider. Voilà, c'est ça. Allez, aide-moi. Putain, parce que toi, vieux schlag. Voilà. Fouh. Putain, là, ça devient très très compliqué. Putain, ils aiment pas ça. Ils aiment pas, mais voyez qu'on s'en sort. Alors, Farin, je sais pas où il est. Putain, mais... Ah bah il est là. Mais il a le stuff tout pourri alors que j'avais mis un stuff badass avec des armes pétées là. Attends. Je vais l'aider parce que sinon on va pas s'en sortir. On sait jamais. Allez, lui on va le faire. Voilà, désintégration sur place. Lui, si on pouvait le finish mover, ce serait énorme. Putain mais... Putain. Mais j'en ai marre. L'autre elle se bat avec une masse. Putain, mais, et regardez-moi ça. On a affaire vraiment à des empotés, hein. Sérieux, les potes, vous êtes pas très... Bon. J'en ai marre maintenant. Oh, j'ai pas pu lui faire mon méga coup de la mort. Et c'est maintenant qu'ils arrivent. D'accord. On va se faire les caisses. Ah bah oui. Ah bah oui. En plus, quand je suis arrivé pour la première fois, je voulais me les faire les caisses, je pouvais pas. Maintenant on peut porte intérieure. Oh putain, non. Merde. D'accord, et on a plus de... Ok. D'accord. Oh merde. Mais comment on fait? Oh. Merde. Oh putain. Ouah, ça fait du dégât. La vache. Putain, c'est tendu, hein.
Merde. Oh la vache. Je sais, je suis en train de me suicider littéralement, mais je suis obligé, hein. Non. Oh la putain. Arrête-les. Oh oui, joli. Joli tir. Ah. Ouf. Oh la patate dans la tronche. Ah merci. Oh. Ok, d'accord. On se prend des trucs. Bah bon, vas-y, hein, vas-y, laisse-le passer. Oh, ça c'était beau. Ouais, je veux bien, mais putain, les gobelins de la mort. On va prendre le côté droit. Putain. Ah. Mais sérieux, mais t'es conne ou quoi? Et Farin, qu'est-ce qu'il branle? Et la porte, elle prend cher. Je vous suis redevable. Putain, je suis désolé, mais... Bon. Oh oui, ça c'était beau, ça. Magnifique. Non, bah, je vais louper lui. Allez. Putain, elle est tendue, cette... Cette... Voilà. Putain, elle est vraiment très 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 tendue. Pouah. Ça commence à être du haut level. Et évidemment, les trolls, hein. Bouquet final, les mecs. Toi qui galère, le pauvre troll obèse qui galère à monter les escaliers. Eh ben, t'énerve pas contre les escaliers, regarde. Ah, heureusement qu'on a les aigles. Ouah, trop beau. Oh. Nous allons les rep. Il a bugué ou c'était fait exprès? Je sais pas. Attention, attention. Oh. Oh, le casque quoi. Ah merde. Miaou. Mayday, mayday. Oh, c'est horrible. Andriel, Farin, la porte. Oh non, pas l'aigle, pas l'aigle. C'est trop triste. Bon, c'est l'heure de se faire des trolls, les mecs. Ah putain, faut défendre en plus la porte. Ah non, ça c'est cheaté, ça. Oh putain. Putain. Bah, j'aimerais bien. Alors, on va lui faire une frappe à l'arrière. Parce que... Putain. Oh merde, ça s'était arrêté. Non mais comment... Comment voulez-vous qu'on arrête ça, quoi? Oh bah tiens, il se frappe entre eux. Venez... Eh oh, vous êtes pas à la hauteur. Voilà. Putain, mais... Et mes cons de potes, qu'est-ce qui branle? Non mais pète pas la porte. Non mais en fait... En fait, on peut pas faire autrement. Ah si, en fait. Mais d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais d'accord, mais c'est impossible. Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai échoué. Bon, j'espère que ça va pas rebugger par contre. Comment? Quoi? Protéger la porte. Les Zolog Eye. C'est n'importe quoi, ouais. Oh là là, c'est n'importe quoi. On va essayer de rentrer dans la sphère de lumière. Attends, mais c'est chaud là. Allez, frappez-vous. Vous êtes tel... Oh mais... Non, je suis là. Oh la vache. Non mais...
c'est ça, frappez-vous. Non! Viens là, gros con! Putain, mais en plus... Non, mais c'est impossible, hein. Comment on peut faire? C'est pas possible. Non, mais c'est impossible. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Sérieux, c'est impossible. Impossible. Non, c'est impossible. Attendez, les... il faut que j'ai un peu de résistance. On va les foutre là. Qu'est-ce qu'on prend comme pouvoir? Tiens, nous, c'est le meilleur moment pour monter de niveau. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Réduit le temps de rechargement des compétences actives, augmente les dégâts infligés par le coup du ranger. Augmente les dégâts provoqués. Mais ça, faudrait que je le vire, hein, parce que j'en ai pas besoin du tout. Je vais mettre un poids là-dedans. Nous devons la protéger pour empêcher la chute de Darkin Bad. Nous devons arrêter les Zologai avant qu'ils n'atteignent la porte intérieure. Il ne faut plus de temps. Mais c'est impossible, il trace. C'est impossible. L'autre il s'est taillé. Viens là, sac à merde. Putain. Viens là, sac à bouse. Voyons si vous pouvez m'affronter. Je ne suis pas prêt. Et putain, mais bouge. Bouge tes fesses. Allez! Allez! Mais non, mais c'est impossible! C'est impossible! C'est impossible! Non, mais qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais là, les mecs, ils ont pété un câble! 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 Non, mais les mecs, sérieusement! Putain, mais c'est impossible! Allez, viens m'aider! Vite! Allez, aide-moi! Allez, vas-y! Aide-moi! Putain! Allez, aide-moi, connasse! Aide-moi! 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 Allez! Putain! Bon. Vous êtes mort! C'est impossible! Comment? Comment? Et donnez-nous un moyen de le faire. Putain, mais c'est impossible. Les trucs ont été pétés, alors qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, mais le mec, il est déjà mort. Mais c'est impossible, hein, c'est pas possible. Putain, j'espère qu'on va pas passer 50 ans. Non mais on peut rien faire. Mais on peut rien faire. C'est impossible en fait. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas, c'est impossible. On peut pas. Non mais c'est... Non mais le... Mais putain, mais bouge. Oh là là, je rage. C'est impossible. Allez, vous vous rampez comme des merdes là. C'est impossible. C'est... Meurs! Meurs! J'ai l'impression que c'est complètement buggé en fait. Bon, on va se faire ces espèces de... Putain, mais... Mais c'est impossible! Vache, la vache, la vache! Mais sérieux, c'est des sadiques qui ont fait ce jeu? Mon dieu! Mais meurs! Putain, mais meurs! Mais le truc veut pas crever! Ah si, il suffit de le dire. Résultat, l'autre il est bugué en fait. Quoi?
Quoi? Je comprends rien à ce qui se passe, les gars. Je comprends rien à ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ah, toi, tu vas dans les abysses. Et toi aussi. Et j'ai un truc de pété apparemment, ça doit être mes armes. Ah oui, je confirme, moi non plus j'en peux plus, mais... Aidez notre ami, vite. Oh, dans ta teuté, le troll. 900. Il a pas aimé. Il a pas aimé, le troll. Ouais, en fait, je lui fais aucun dégât. Putain, mais c'est vraiment un sac à merde, hein. Oh, reviens là, tête de... Ah ouais, merci, merci, merci. Ça, c'est sympa. En fait, il est bugué, hein. Cette quête est buggée. Oh oui. Oh oui. Et il est pas mort. Mais meurs. Putain, le truc, il veut pas crever. Bon, on va lui faire une attaque... On va lui faire une attaque sournoise. Allez, viens là. Enfin! Bah putain! Et l'autre, il est en train de mourir derrière, tu vois. Il est où, l'autre? Le nain est tombé! Aidez-le! On dirait que c'est le capitaine! Abattez-le! Oh! Le reste des troupes perdra peut-être son courage! Peut-être! Oh, il est bugué lui aussi, ça tombe bien! Oh, j'ai plus de flèches! Mais sérieusement! Putain! J'ai plus de munitions! On va mûrir! Bon, bah, faut se le faire, hein, les gars! Toi, déjà, toi, tu viens. Putain, mais... Putain, cette parade! Cette parade! Putain, mais. Mais crève! Mais. Mais put... Ouh là là! Ah non, 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 mais là, ça m'énerve! Mais. Mais allez quoi, mais hey, mais eux c'est les pires mecs qu'ils ont jamais inventé. Voilà. Oh putain. Allez, réanime-moi mon chéri. Oh merci. Tu vends du rêve. Non mais là j'ai envie de me les faire, mais d'une force. Mais crève. Mais crève. Oh non, d'une pipe. Wouah. Ce jeu. Oh putain, pour cette phase. Ah, on va se les faire. Allez, vas-y, meurs. Ah, allez, ça y est. Il faut que je... Oh, l'autre il est mort là-bas. Non, elle... là j'ai pas le choix. Il... Oh, hein. Ah oui, il faut que je repasse mon niveau des résultats. Ah ouais, mais du coup, merde. J'avais pris quoi déjà? J'avais pris ça. Il me semble. Il faut que je prenne. Il faut que je prenne une autre arme. J'ai pas le choix. Eh bien écoutez, on va prendre ça. Est-ce que les nouvelles bottes sont bien? On va les prendre, j'ai besoin d'armure. Ah ta 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 ta. Oh putain, mais en fait. Oh, je pitié, non, me dites pas que ça va recommencer de. C'est n'importe nawak. Ah ouais, génial. Capitaine, mon cul, oui. Mais. Alors toi, tu vas pas me commencer à me casser les roues. Ouais, en fait, il était complètement bugué tout à l'heure. Hein. Non, mais sérieux, c'est quoi ce mec? Non, mais... Non, mais c'est OP. C'est OP, les gars, c'est OP. Autant enlever la vie sur le gros. Hein. Attaque. Il en reste plus. Allez, Farin.
Bah ouais, mais d'accord, mais putain, mais... Je vais essayer de me les faire. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais putain! Mais c'est pété! C'est pété! Mais c'est pété! Mais ces types sont horribles! Mais sérieux quoi! Mais sérieux! Putain, mais en plus le jeu est bugué! Mais peut-être, mais je m'en fous! Regarde là! Meurs! Meurs! Oh oui, joli ça! Putain! Je me casse! Et vous, qu'est-ce que vous foutez? Oui, alors là, ça devient... Alors, je vous cache pas. Oui, joli. Ça devient très tendu. Putain, mais... Mon Dieu! Oh, putain, oui, joli. Oh, putain, l'autre, elle a pris... Allez! On va utiliser... Allez, dans la sphère de lumière! Mais c'est qui? Eh ben putain! Oh là là! Nom d'une pipe! Oh, l'autre il est tombé quoi! Non mais rentre pas de ce côté là! Crétin! Oh là 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 là! Je vais jamais m'en sortir! On va jamais s'en sortir les gars! C'est la merde! Vas-y, courez! Ouais, vas-y, courez, courez! Ils sont les deux cons là! Allez, allez! 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 Putain. J'aurais dû prendre le nain pour faire cette phase. Est-ce que je peux Putain. Ah, ça va être tendu. Vas-y. On va la jouer. Eh, là, les mecs, c'est que du skill. C'est que du skill. Que du skill. Mais putain, mais l'autre, comment il... Mais comment il me touche? Non, mais... Il y a des limites. Mais comment il me touche? Mais comment? Non mais sérieux les gars. S'il vous plaît. C'est pété de ch... Oh mais merde. Putain il faut que je... Oh, c'est chiant. Ça c'est vraiment chiant. Il n'y a pas un truc... Ça c'est bien. On va prendre ça finalement. Elle perdra peut-être son courage. Putain, mais ça va pas marcher, putain! Mais c'est complètement... Regarde, mais qu'est-ce que... Non mais... C'est sérieux. C'est sérieux. Sérieux. C'est n'importe quoi. Faut arrêter, putain. Mais c'est nul là. C'est trop dur. On peut pas. Enfin... Eux ils sont... Mais c'est de la torture hein. C'est de la torture les gars. C'est de la torture. J'aurais dû prendre le nain. C'est n'importe quoi hein. C'est n'importe quoi. C'est de la torture je vous dis. Je vous dis que c'est de la torture. On peut rien faire hein. C'est affligeant. On peut rien faire hein. Vraiment on peut rien faire. Allez, attendez, on va se battre avec un bouclier, comme ça, ça va. Putain, mais bouge! Mais bouge! Mais bouge! En plus, ils ont un cri de guerre complètement overpété! Mais vous, mais qu'est-ce que vous foutez? Allez! Mais putain! Ah, j'arrive pas à jouer. C'est complètement cheaté. C'est complètement cheaté. Autant viser le gros, hein. Mais regardez ça, quoi. Ouais, c'est bien. Vas-y, bute ton pote. Bute ton...
Mais putain, mais ils sont morts les autres. Mais comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Non, c'est impossible. C'est impossible. On peut pas, c'est impossible, putain. Les mecs, ils te frappent, putain. C'est impossible, mec, j'en chie. Mais j'en chie d'une... Oula, il y a eu un gros bug. Oh, putain. Bon. Allez, vas-y. On va y arriver. Ne t'énerve pas. Putain, y'a rien qui peut m'aider là. Attendez. Allez! En fait, j'ai pas saisi ma chance. Oh la vache! La vache! Mais putain! Qu'est-ce qui se passe? Mais il y en a tout le temps qui se ramènent! Oh lui! Non! En plus, il esquive le salaud. T'esquive, hein. Meurs. Putain. Je n'en peux plus. Elle est où l'autre? Oh putain, mais non. Mais s'il vous plaît, quoi. Mais non. Arrêtez. Mais sérieux. Mais c'est horrible. Ou l'autre. Oui, cours. Le mec est tombé. Aidez-le. Je me suis fait défoncer. J'aurais pas dû revenir. Oh là là. Là, j'en ai marre, là. Clairement, j'en ai marre. J'en ai ras le cul. Comment vous dire? Ça fait une demi-heure que je suis sur ce putain de truc. Désolé, je m'énerve, mais là, j'en ai marre, hein. Ça me saoule. On dirait que c'est... Alors, déjà on va prendre ça. Prendre ça. On va prendre ça parce qu'on est des gueudins. Et on va prendre ça. Allez, venez, bande de sacs à merde. Voilà, c'est bien. Frappe tes potes. Oh bah il l'a tué. Ah non, même pas. Allez, meurs. Mais putain. Mais c'est haut. Mon dieu. Allez. Oh yeah. Allez. Voilà. Allez. Nous on va se focus sur le gros. S'ils arrêtaient de crever aussi là.
Arrêtez de crever, mais... Putain, mais... Arrêtez de crever. Putain, et les autres, là, mais c'est n'importe quoi. Non, mais sérieux. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais regardez, c'est OP. Allez, le skill. Ça va jouer sur le skill, les amis. Mais ils arrêtent pas de me frapper. Mais c'est chaud. Putain, j'ai plus de flèches. Je vous raconte pas comment j'en chie. C'est une... Allez, allez, on y croit. Allez. Ne nous quittez pas déjà, pour le savoir. Mais non. Ah. Aidez notre ami. Mais putain, mais c'est n'importe quoi. Mais sérieux, mais quel est le sadique qui a fait ce level? Allez, on y croit. Alors, on y croit. Et maintenant on se casse. Allez. Putain, mais c'est vraiment des mecs, eh, ils sont vraiment en carton. Hein. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, on court, on court, on peut l'avoir. Ils sont où? Ils sont où? Seul un nain peut passer autant de temps à terre. Allez, on court. Non, 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 non. Oh, 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 oh. Là je fais, mais c'est le c'est, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Allons, il y a d'autres ennemis à vaincre. Merci mon ami. Allez, vas-y. Oh, cette performance. Oui! 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 Oh mon dieu! Oh, c'est la jouissance extrême! Oh la vache! Le temps que j'ai passé! Nom d'une pipe! 500 d'XP dans les dents. Eh ben les mecs, putain, waouh, sérieux, là je crois que je serai jamais autant énervé dans une putain de vidéo. Ici mes amis, rassemblez-vous pour cette lumière réparatrice. Ouais, la lumière réparatrice, d'abord, attends, je me fais Christophe, voilà. Oh, oh mon dieu, oh, oh la vache, il est, putain... Oh mon dieu, quoi. Ah, oh, il est décédé comme une merde. On s'en fait un manteau? Non, tu crois? Mais non, mais pourquoi il est pas mort? Les... Mais sérieux, oh, c'est pas drôle, faut qu'il crève les persos. C'est ce que nous lui offrirons. Nous allons faire au mieux, je vous le promets. Le mec, tu sais, il est déchiqueté de partout. En plus, c'est un piaf. Un piaf, normalement, ça... Il y a tellement de bruit. Faut que je baisse. En fait, il y a un problème, en fait, avec le son. Faut que je baisse le son de le son des ambi... Ah, bah, il est sauveur du siège. Génial, un autre succès. Il faut que je baisse ça, là. Et que je, voilà, et que le bruit des dialogues soit à fond, parce que sinon on s'entend pas. Nordri, qu'est-ce que t'as d'autre à me dire? Ok. Dites-lui ce qui s'est passé. Il enverra des nains et des Beleram. Oh putain. Eh ben les mecs, j'en ai chié, hein. Putain, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouah, on va repasser avec le nain.
Qu'est-ce que... On va repasser avec le nain. Hein. Ah non, 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 attends, allez, vous. Nous, peuple de Nordinbad, vous sommes redevables une fois encore. Sans votre aide, nous n'aurions pas pu leur faire face. L'ennemi est vaincu, mais nous avons subi de lourdes pertes. Pélérab est blessé. Notre ami Bélérab. Ah, j'ai retrouvé mon look de fou, là. Nous devons l'aider. J'ai déjà donné l'ordre à mon peuple de l'installer dans la résidence. Il recevra les meilleurs soins que nous pouvons lui fournir, car il est certain que nous lui devons nos vies. Qu'en est-il, Durghost? Vous êtes parti faire affaire avec le dragon. L'avez-vous trouvé? Oui, mais Agandor l'a trouvé en premier. Il a promis Nordinbad au dragon. Mais nous avons proposé de lui donner la forteresse de Carndoom d'Agandor. Carndoom? L'ancienne forteresse du roi sorcier d'Angmar? Oui. Nous aurions dû deviner qu'Agandor prendrait possession de ce lieu maudit. Si Urghost veut s'installer dans cet endroit sombre, qu'il y aille. Mais nous devons d'abord nous occuper d'Agandor. Oui, et c'est pour cette raison que nous devons nous rendre à Carndoom. Un tel périple sera long et difficile. Et comme nous avons perdu les aigles, vous allez devoir y aller à pied. Oh putain! Vengeance doit être obtenue. Agandor doit mourir. Comme ça, ça fait depuis le début. Je ne peux me permettre d'envoyer des guerriers avec vous. L'armée de Nordinbad est déjà très réduite. Mais j'aimerais que vous preniez ceci. Ce sont des héritages. Du stuff! Du stuff! Les plus belles œuvres que mon peuple s'est transmis de génération en génération. Du stuff! Me séparer est difficile. Mais votre combat est notre combat. C'est pourquoi je vous les donne sans hésiter. Choisissez ce que vous voulez en espérant que cela. Ok, donc là il va nous donner une récompense. On va devoir choisir comme avant, voilà. Il va nous... On va avoir le choix entre plusieurs pièces de stuff. Vous allez voir. Ah oui, il faut que je passe le niveau. Putain, ouais, là, du coup... Ah oh, ouais. Il est pété. Alors, j'ai un collègue qui m'a dit que... Il y avait un truc... bien pété. Tiens, un projectile précis sur la cible. Non. Augmente les dégâts. Je sais plus où il y avait un truc bien pété. Le crit bizarre de j'ai 2 points. Réduit le temps de rechargement de vos compétences actives. Remplacez le balayage. Lors du Krieger, vos attaques rapprochées infligent des dégâts. Près d'un allié à terre pour le ranimer instantanément. Ah ouais. Tire un projectile qui explose à l'impact. Ça, c'est pété. Et on va améliorer ça. Ok, bah voilà. En fait, je crois que c'était ce pouvoir. Du coup. Voilà, donc il a gardé le stuff. Le bon stuff. Ouais c'est là, donc voyons voir ce qu'il nous propose. Voilà, donc on a le choix entre 4 pièces de stuff qui ont l'air vraiment excellentes. Bouclier de Bury, 4 de dextérité. Ouais je m'en fous. Armure de capitaine de la garde. Plus 4 de volonté. Ouais ça a l'air d'être pas mal. Casque qualité chef d'œuvre. Épaulière. Ouais elles sont pas très bien. J'ai envie de prendre ça. Quoique le casque. Je vais prendre le casque. Voilà. On va prendre le casque parce que j'avais un casque pas génial. Hein. Voilà. Et là j'ai le stuff complet les mecs. Regardez-moi ce nain de combat avec... Putain j'ai la classe. Hein. Ouais le nain est complètement... il est amélioré. Il est full amélioré. Beleram, Nordinbad, Beleram. Allez voir Beleram. Parlez à Bury. Valeureux nain des rebords, nous vous sommes redevables. J'ai entendu dire que vous trois aviez... Ouais, j'ai des trucs à réparer, ok? Bon. Est-ce que... Ouais, on va tout réparer, on va en profiter. J'ai 36 000. Merde. Ah ouais, j'avais perdu beaucoup de durabilité, là. Ouais, pas mal. Ouais, ils sont pas mal, ceux-là, hein. Je sais pas lesquels j'ai équipé mais c'est pas grave. Allez on y va. On améliore tout. Voilà. Ma hache surpétée.
Et voilà, tout est réparé. Je peux aller me battre. Du coup, bah, Eradan a repris son stuff bien moisi au lieu de prendre la putain des le putain de set elf de la mort qui tue que je hyper hyper bien quoi. Ah lui, est-ce qu'il peut me vendre des potions? Montrez-moi ce que vous avez. Déjà, on va vendre peut-être des trucs. Genre ça là. On va lui vendre du stuff éventuellement. Donc ça, je lui vends. Et ça, je lui vends. Ça, je lui vends. Ça, je vais le garder. Ça, je vends. Ça, je vends. Et ça, je vends. Ok, acheter. Alors, est-ce que t'as de la... Non, il a... Si, si. On va lui acheter tous ses popos. Toutes ses munitions. Jetons de respect, 16 000. Je sais pas ce que c'est. On l'achètera plus tard. Voilà. Maintenant, j'ai pas mal de potions de soins. On va retourner voir Beleram. Putain, c'était chaud, hein. Eh, les mecs, c'était tendu, hein. J'espère que vous avez apprécié cette séquence. Non, attends. Reste à Nordinbad, la question. Attends, on est obligé de... Nordinbad. Mais d'accord, mais... Et comment on fait pour sortir? Ah, peut-être que je me dirige pas au bon endroit. Ah oui, d'accord, il est là. Ok, c'est parti. Beleram, vous m'entendez, mon ami? Non. Je suis entre ces murs de pierre. Et je n'entends pas de bruit de bataille. Nordinbad est-elle sauvée? Ouais. Ils ont subi de lourdes pertes. Depuis combien de temps suis-je ici, dans cet état? Peu de temps. N'essayez pas de vous lever. Vous devez vous reposer. Oh, j'aime bien la voix qu'elle a, là. Rotor et Armenel. Oh, ils sont décédés. Malheureusement, ils sont tombés au combat. Ils sont morts! Ils sont tous les deux morts, tués par la même explosion qui a failli vous avoir. Est-ce nécessaire d'être aussi brutal? Ouais. Vous auriez pu le dire avec un peu plus de tact. Aucune parole ne peut atténuer le chagrin que me procure cette nouvelle. Ils étaient mes amis, et ils sont morts sous mon commandement. C'est un lourd fardeau à porter. Eh ouais! Qu'en est-il d'Agrandor? Aussi gros que ma... Est-il également détruit, ou est-il toujours en vie? Comment dire, en fait, il n'était pas là, ouais. Il est sûrement encore à Karndo. En fait, il est dans un transat. Alors nous devons aller le chercher. Un petit jus d'orange. Armenel et Baron Thor doivent être vengés. Quel est votre plan? C'est ce que nous avons l'intention de faire. Nous nous préparons à partir pour Karndo. Je dois me préparer aussi. Je ne peux pas tous vous porter, mais je... Vous devez rester ici. J'ai également perdu des frères. Je n'ai pas l'intention de laisser Agandor s'en tirer comme ça. Oui. Il est évident que je ne peux pas vous accompagner pour le moment. Et si vous attendez, d'autres peuvent mourir. Je ne veux pas en être le responsable. Partez avec ma bénédiction, mes amis. Adieu, mon ami. Adieu, brave aigle. Vous nous manquerez, mais nous espérons vous voir fort et en bonne santé à notre retour. Vous avez intérêt à ne pas me décevoir. D'accord. Ok, bah quête terminée, le piaf d'or. Hein. Quête terminée, nouvelle quête, Karndoom. Bon, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Hein. Voyons voir. On va juste lancer la quête. On va lancer la quête comme ça, j'aurai pas de problème de sauvegarde. Je vous laisse le début et on va se quitter là-dessus. Ça fera un petit tout petit peu moins d'une heure. Wouah, putain! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? T'en dirais... La vache! Pas mal! Ah ouais, d'accord, on est comme ça, nous. Nous, on escalade la montagne, nous. Nous, on est des pimps.
Fuck la police. Vous n'avez pas besoin de me faire une faveur. Escalader une montagne ne me fait pas peur. D'accord. Les mecs, ils sont sereins. Hein. Eh bien, nous n'allons pas revenir par cette route, je crois. Mais vous disiez vrai, Radan. Aucun garde ne surveille cette route. Bah normal. Bah ouais, c'est pas étonnant, exactement. Oh, ils ont, il y a des petits cristaux à cause du froid. Venez. C'est le givre. D'entrer dans cette forteresse. Les mecs, mais attends, mais c'est des gros touristes, les types, ils... Comme le cheval dans Skyrim, le type, allez, on escalade la montagne, bon. Attendez, on va avancer 2 secondes, voir de quoi il en retourne. Trouver un moyen de rentrer dans la forteresse. Juste qu'on se quitte sur un petit peu d'épicness, quoi, pour la fin. Oh, bah tiens. Oh, une porte grande ouverte. Ce conduit évacue les déchets de la forteresse. Enfin, c'est tout de même un moyen de rentrer. Ouais, les déchets, entre guillemets, hein, c'est que du sang, le truc, t'es. Est-ce que c'est du sang? Non. Pas du sang, mais de la rouille. De la rouille? Forteresse est presque entièrement recouverte de fer. Ah ouais, c'est de la rouille. Sympa! Bon, je vais pas vous spoiler le truc, mais j'aimerais bien juste me faire un ennemi, non? Oh putain! Putain, ce jeu fait sursauter, quoi, c'est sérieux. Bon. Non, finalement, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, les amis, avec tant de rage, tant de rage. D'ailleurs, je couperai sûrement ça au montage parce que ça va être n'importe quoi. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, et puis moi, je vous retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut à tous et portez-vous bien !